On se retrouve en compagnie de Léa et Lisa pour un tag. Donc il va s'agir du tag Ton chouchou et toi de Sorcis. C'est parti. Alors, première question. Prénom, jument hongre et l'âge. Donc moi, c'est Sia de Kerbilly. C'est une jument et elle a 9 ans. Sarbacane de Lérieux, c'est une jument et elle a 9 ans. Fanfan, donc c'est un âne hongre de 9 ans aussi. Depuis combien de temps le connais-tu? 2 ans. Depuis toujours. Depuis que je suis au club, du coup. Et donc moi je m'en occupe depuis 2 ans, mais je le connaissais déjà 2 ans avant, donc ça fait 4 ans. 3. C'est ton chouchou depuis combien de temps? 2 ans. L'année dernière? Ouais, l'année dernière. Ça fait 2 ans. Un an et demi, ouais. Ouais, pareil, un an et demi. Et toi? Moi, bah 2 ans, mais plus particulièrement un an. Ouais. 4. 4. Proprio 4. Ou club? Club. Club. Proprio. 5. Sa robe. Alzane. Alzane. Gris. Avec une croix de cendrée. 6. Un défaut et une qualité. Qualité. Elle est speed. Un défaut. Un défaut, quand elle chauffe trop, elle est chiante. Une qualité, elle est affectueuse. Et très très, très gentille. Oui. Et défaut. Elle est très 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 casse-couille en concours. En détente, elle est bien, mais en concours, c'est une chieuse. Mais elle est bien. Et toi? Moi, bah, qualité, il est parfait. Non, sérieusement, je sais pas. Il y a tellement de qualités, Fanfan. Un défaut. Et défaut, bah. Non. Défaut, c'est qu'il est imprévisible. Génial. Des fois, il peut être super, super, super saoulant. Alors que des fois, il va passer sur la mer. C'est bon? Oui. Ouais. 7, le plus beau souvenir avec. C'est la balade, enfin les deux balades du coup, du soir, on a le bivouac. Ah ouais, pareil. La balade avec toi et Salomé. Ouais, c'était trop bien. Au clair des lunes. Ouais, c'est génial, trop bien. Au coucher de soleil. On arrive le jour et on repart la nuit. Ouais, c'est ça, c'est trop Telle bien. Telle des gangsters de la nuit. Le beau souvenir avec lui, c'était tes premiers couches. Ah ouais, c'était tellement beau. Après, une chose faite 8 du coup, une chose faite pour lui qui t'a marqué. Oui, voilà. Moi, c'est qu'il les gardait au club, parce que pourquoi pas, ils le vendent. Donc moi, qu'il les gardait au club, même si je le connaissais pas avant. Ouais. Ouais, pareil. Enfin, non, en fait, un truc, c'est pas moi qui ai fait, mais je suis contente que les proprios, ils la laissent rester là, l'année prochaine. Ouais. Parce que sinon, ils seraient partis en poulignant, en plus. Moi, bah, c'est que le proprio me laisse m'occuper de Fanfan, quoi. C'est de là que tout est parti. À toi. 9. Te reconnaît-il? Si oui, comment le démontre-t-il? Oui. Avec les oreilles en avant et elle est loin. Moi, en fait, elle est comme ça. Puis j'arrive et puis elle se relève. Et... Ça a les oreilles aussi. Dites donc. Coucou. Et toi, bah pareil. Et puis une fois, elle m'a émise, j'étais complètement. Oh, trop choupi. Oui. J'étais contente. Bah, moi, il vient me voir au pré, au pas ou au galop. Dépend des jours. Puis il m'écoute quand on travaille. Dis le monde plus souvent. Le monde plus souvent. Oui. Non. Non, il est pas. 11. Lui as-tu appris des tours? Non. Non, je crois pas. Bah oui. Bah oui, ça c'est pas pour nous. Toi, t'as appris plus qu'un tour. Hein. 12. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu n'es pas avec lui pendant longtemps? Les câlins. Ouais. Ouais. Juste, même elle a une odeur, un truc de ouf, mais c'est trop bon. Ouais, bah cheval, c'est ça. Un cheval qui sent même l'odeur et puis les caresses et puis. Ouais, et puis juste être avec lui quoi. Ouais, voilà, rien que le cheval. Ouais, pouvoir le faire des câlins, pouvoir travailler avec lui, pouvoir, tu vois. Ouais, ouais. Ça. Sa présence, me manque. Voilà. 13. Dans quelle discipline est-il le mieux? Saut. Bah, t'es sûr, du coup. Ouais, mais il connaît pas tant de tours que ça. Il est assez fort quand même. Ouais, mais en même temps, tu peux pas faire autre travail à pied. Ouais, voilà. Ouais, donc travail à pied. Ouais. Enfin, Saut, il aime bien le saut. Ouais. Saut, il y a du potentiel quand il se bouge les fesses. Ouais. 14. Vos habitudes, les choses que tu ne laisses pas passer. Ses habitudes, la friandise après le travail. Ouais. Elle le sait, elle vient me taper dans les poches pour me donner la friandise. Et un truc que je passe pas, c'est si quand elle avance pas, je mets des... Non, moi c'est quand elle bouffe les autres, quand ils sont libérés dans la statue, elle bouffe les autres. Du coup, voilà. Non, moi ce que je laisse pas passer, c'est quand elle avance pas et qu'elle fait exprès de pas avancer parce qu'elle sait que je peux pas lui mettre de coups de cravate parce que je n'aime pas, mais elle fait exprès et du coup, ta gueule, en fait. Ça j'aime pas.
Donc pareil, le truc auquel il est habitué, c'est la friandise après chaque demande, chaque tour et tout. Et ce que j'essaie d'enlever là, de passer plus à la caresse, mais chaque fois il vient chercher sa friandise. Et la chose que je laisse pas passer, bah pareil, c'est ce qui se fout de moi, qui ne veut plus avancer. Non, quand on est assis par terre et qu'il veut des jambes bêtes, ouais, chiant. Ouais, aussi, mais il faut que je passe. 15, es-tu possessive avec? Oui. Moi, je peux pas trop parce que c'est la première fois. Je te pas. Non, mais même, en fait, c'est pas. C'est genre. Tu vois, par exemple, la fille qu'on a été. Bah, quand, en fait, on a été. Bah, on a été aidée. Et la fille, elle était comme ça. Ah, c'est ma chouchoute et tout. Enfin, même si elle a tous les ans. J'aime bien la fille, elle est gentille. Hein, mais je te jure, toute la semaine, je fais non, non, c'est ma chouchoute. Hein, tu le dis pas. Même, je suis restée avec elle toute la famille. Parce que, genre, non, je suis possessive. Ouais. Je suis pas possessive excessivement. Genre, je vais pas aller tuer la personne parce qu'elle l'a touchée. Mais, ouais, mais j'aime pas. Mais même, genre, lorsqu'il l'embête et tout. Non, mais genre, qu'elle dise non, c'est ma chouchoute et tout. C'est non, mon poney. C'est la mienne. Non, mais même moi, j'irais pas voir les gens parce qu'ils me font mal. Parce que je suis trop timide pour faire ça. Moi aussi. J'irais lui dire. Je faisais tout le temps. J'arrête de lui donner des coups de cravache. J'irais lui dire, non, mais tu fais quoi là? Mais j'irais jamais lui gueuler dessus. Genre, oui, non, moi non plus, mais. Ouais, voilà, mais j'irais lui dire, d'arrêter gentiment. Et agressif, c'est vraiment con, quoi. Est-ce qu'on ouais, veut... et avec Fanfan, moi, ouais, oui. Et 16, alors résumez votre histoire. Qui c'est qui commence? Alors, en fait, le samedi matin, parce que l'année dernière, il y avait notre mono, elle n'était pas là, et du coup, l'autre mono nous laissait choisir qui on voulait monter. Et t'as Léa dans la voiture, elle fait, moi je prends Sarva, je fais, ok, bon, moi je prends qui? Tintin, ouais, bon, bref. Et là, on arrive devant le tableau, il fait tu fais qui? Tu veux qui? Je fais, je veux bien essayer Sia. Et depuis, c'est l'amour fou. Voilà, depuis, c'est l'amour fou. Je l'aime plus. J'étais même tout. Pas là, tu vois. Moi, moi, c'est le même samedi qu'Isa. Parce qu'en fait, elle nous laissait choisir, du coup, et puis on arrive. J'avais dit à Isa dans la voiture que je voulais essayer Sarvagan parce que c'était sa préférée. C'était oui, parce que je l'aimais bien. Et voilà. Et je lui ai demandé si je pouvais l'essayer. Isa m'avait dit, d'accord. Et puis, grâce à Lisa, parce qu'elle m'a laissé monter, maintenant c'est ma chouchoute. Ouais, non, moi, Fanfan, j'ai découvert une fête du village. Le propriétaire me l'a montré, il m'a dit, regarde, j'ai un. Et 2 ans plus tard, le propriétaire m'a proposé de m'en occuper avec un autre, et c'est de là que tout est parti. Non, pas au début. Ah ouais? Non, si je l'aimais bien, mais c'était plus un défi qu'autre chose de s'en occuper. Pendant un an, j'ai tellement galéré. En fait, ouais, c'était compliqué. Puis c'est depuis l'année dernière en fait. Vraiment, c'est depuis la première fois que je l'ai montée, j'étais. Enfin, je trouvais pas qu'elle allait super vite en fait. Enfin, la première fois, tu galérais. Ouais, je galérais, mais enfin. Tiens, Thérèse! Peut-être pas ça, mais c'est ça. J'étais pas. Ouais, quand même. Et je trouve que j'ai vachement mieux avec elle. Ah bah oui, c'est sûr. Tu la contrôles bien. Quel cheval serais-tu de Enjoy the Ride? Donc il y a combien de questions? 10. 10 questions. Bah voilà, on commence tout de suite. Donc, première, de quelle race serais-tu? Ah, frison. Moi je sais. Ou la race? Un seul français ou un petit belge? Comme si, quoi, la même race. Poney français de Sèvres. Ou alors je serais un Camargue. Mélangé à Wesh. Ah ouais. Moi je serais Camargue. Ah ouais, un Camargue ou Frise. Ouais, je sais pas. ONC. Alors, le deuxième, c'est quelle serait ta robe? Alzane. Si je suis Camargue, je serais blanc. Et si t'es prison, t'es noir. Bah voilà. Moi je serais Alzane ou B. Ou gris. Ouais, ou gris pommé. J'aime bien gris pommé. Ou même gris tout court. C'est pas mal, ça va là. Mais justement. Bah oui. C'est trop beau. Allez, vas-y. Allez, 3. Quelle serait ta discipline de prédilection? Le saut. Cross. Dressage. Ouais, le saut ou le cross. J'ai jamais essayé le cross. Moi j'ai déjà essayé. C'est trop bien. C'est trop bien le cross. Mais le saut quand même. Ouais, le saut ou cross. Cross, c'est un mélange de saut mais en extérieur. Ouais. C'est pas mal. Même saut. C'est... Ouais. Ou non, pas dressage. Rando. Rando et dressage. Cirque. Oh ouais. Cirque. Mais c'est trop bien. Ou alors voltige. Mais la voltige. Cheval de voltige. Non mais voltige, c'est haute compétition quoi. Le vrai truc, tu sais, avec ouais, le cheval qui tourne en rond. Non mais t'as toute une équipe et puis tu fais des super grands trucs et tout. On appelle la petite voltige. Non, moi, oui, mais même le niveau du cheval, tu t'en fous en voltige. Quand il bouge pas, c'est le niveau du cavalier en voltige.
Moi, ce serait... Non, le saut quand même. Saut cross. Le saut. Le non, balade et dressage. Plutôt fainéant ou hyperactif? Hyperactif. Entre les deux. Hyperactif. Alors là, voilà. Non, hyperactif. Enfin, peut-être pas hyper, hyperactif, ah, mais si. Énergique. Bah, oui. Très énergique. Bah oui. Ouais, mais entre les deux. Alors, 5. Ouais. Plutôt pénible ou calme au pensage? Plutôt pénible ou calme au pensage? Bah calme. 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 Ah, ça dépend. C'est rigolo aussi de faire chier ouais. les gens. Non, moi je sélectionne les gens comme ça, c'est quand ils me font ouais. de la soupe. Ouais, je les bouffe. Bah ça dépend comment ils brossent aussi, genre. Quand ils brossent bien aussi. Comment faire chier? Ouais, si je fais pas bien, je les bouffe, je les pousse, je les... Ouais. Ouais, j'aime bien faire chier comme ça. J'aime ouais. bien. Mais les gens que j'aime bien, je les... Je serais sélective. Ouais, voilà. Sélective. Ouais, bah s'ils brossent bien, tu sais, qu'ils font bien les endroits et tout. Ouais, non, sélective. C'est une mais calme, plutôt calme, mais sélective quand même. Après, 6, bon ou mauvais équilibre? Bon, bah non. Qui va dire mauvais? Moi. Comme Smoothie. Non, comme moi. Je sais pas marcher en fait. J'ai vu tous les temps. Non, mais c'est ça. Bah voilà. T'as vu ce qu'il bouchait en allant parfois? J'aurais dû me taire. Qui va dire ça? Bah voilà. Mais non, moi j'aimerais bien être assez équilibré. Non, équilibré. Moi j'aimerais bien l'être, mais je ne le serais pas. Alors, plutôt caresse ou claque sur l'encolure? Claque. Caresse. Caresse. 8. Un massage. Un massage serait. Quel serait pour toi le cavalier idéal? Bon saut, pas méchant, affectif. Gentil. Le cavalier qui aime beaucoup les chevaux speed. Et qui est pas trop dans la bouche. Qui est pas trop. Que non, ça tout même le temps. Moi, le cavalier cool, gentil et qui est affectif et qui est pas. Affectueux. Qui est pas tout, affectueux, hein, voilà. Qui est pas tout le temps en train de te foutre des coups de cravache parce que t'avances pas ou des trucs. Ouais, c'est ça. Bon, moi, il gentil avec pas les cheveux. Respectueux, quoi. Sia. Oui, en fait, là, t'es en train de décrire Sia. Ouais. 9. Crinière en longue ou en brosse? Longue. Ah, en brosse, c'est bien. Enfin, les deux. En fait, j'adore les deux, donc... Non, mais même si je suis un Camarguais... Enfin, si je suis un Camarguais, si c'est... Ouais, c'est ouais, Camarguais aussi. Mais même, bah, non, la fjord, c'est en brosse. C'est plus souvent en brosse. Ouais, bah non, même long. Bah regarde L'Oréal. J'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux pas assez longs. T'as des petits cheveux, tu vois, hyper longs. Non, moi... Non, long mais courte. Ni court. Enfin, ouais, au milieu de l'encolure, quoi. Normal, quoi. Dernière. Gentil ou méchant, copain de pré? Ceux que j'aime pas, je les bouffe. Je les bouffe, mais ceux que j'aime bien, je les pareil, bouffe. Pareil, sélectif. Ouais, les deux-là, je les bouffe. Non, non, ça, je serais gentil. Non, mais... Non, parce que je voudrais avoir mon territoire, mais en même temps, je voudrais avoir des potes quand même. Moi, bah, tu m'as déjà moi comme pote. Comme ça, moi, en règle générale, je suis gentil, mais genre, tu n'as pas le non, je bouffe les gens que j'aime pas, comme ça, comme je cours vite, je peux aller très loin et très vite. C'est pratique, et... ça. C'est la fin de ce podcast. Faut qu'on tague justement. Faut qu'on tague des gens. Moi, je tague Annie. Je sais pas. Tu vas taguer toute leur famille. Ouais, et moi bah pareil, je vais taguer Pauline de Hazard. Voilà. Bisous.